Bonsoir les filles! Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors cette vidéo est sponsorisée par Junoda. Aujourd'hui on va faire un petit Get Ready With Me assez rapide, donc avec une installation de pépé super rapide. Et ensuite on passe au make-up et on va discuter en même temps, juste pour ce life update, parce que c'est vrai que j'ai un peu disparu des horizons là. Donc vous allez tout savoir dans la vidéo, ce sera quelque chose de super chill. J'espère que ça vous plaira bien, bonne vidéo! Alors voilà mon crâne d'œuf. Pour l'installation, je place ma pépé, voilà, rien de compliqué. Je la brosse un peu vraiment pour que ce soit clair. Je fais une mini tresse avec les baby hairs pour ne pas devoir les couper quand je vais couper ma tulle. Ensuite, je dégage quand même mes cheveux de mon visage pour pouvoir bien travailler là-dessus. Et ensuite, je prends mon petit ciseau et je découpe en zigzag. Je mets un tout petit peu de gel parce que je n'allais nulle part tout simplement. Et d'ailleurs, je l'ai mal collé. C'est parce que j'allais nulle part juste après. Mais bon, voilà, juste pour la vidéo. Et on est prête. Les gars, je ne savais pas par où commencer. Je sais pas du tout par où commencer. Life update. Alors la vie d'adulte, c'est fake it till you make it. Je suis attachée mes cheveux. J'ai vraiment du mal à réaliser qu'il y ait des personnes qui me suivent depuis la chambre rose. Genre vraiment c'est incroyable. Jusqu'à ce que je rencontre ces personnes-là et qu'elles mentionnent les conneries que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, etc. Et je me dis ah ouais, en fait ouais. Gloria, ces vidéos ont réellement été sur internet en fait. Peut-être la personne demande comment est-ce que c'est en gros la vie d'adulte. C'est sûrement qu'elle m'a suivi chez mes parents et tout, tu vois. Sœur, la vie d'adulte c'est réellement fake it till you make it. Je suis désolée mais c'est ça. Désolée si tu t'attendais à une autre réponse. Vous savez quand est-ce que j'ai compris que la vie d'adulte c'était réellement fake it till you make it? C'est quand j'ai commencé à observer les autres. T'observes les gens de l'extérieur, t'as l'impression que oh my god. Et après quand tu vois les dessous, tu te dis en vérité, ouais, la vie d'adulte, tout le monde fait semblant. Si tu fais pas semblant jusqu'à ce que tu y crois, tu vas rester derrière. Quand t'es encore entrepreneur, c'est encore plus quelque chose. Quand tu ramènes encore la maison, tes propriétaires, c'est encore plus quelque chose. Tu ne dors pas, tu ne dors pas, tu ne... Quand t'achètes une maison, tu découvres un peu les dessous. Hé, dis-y. Si je savais. Et donc ouais, pour répondre à ta question, la vie d'adulte c'est réellement fake it till you make it. Même dans ton sommeil, sœur, tu dors même. C'est fini en fait les rêves. Oh je suis là-bas. Non en fait, tu vas commencer à rêver des factures. Rêver des virements. Ok, j'ai pas envie de vous faire peur non plus. La vie d'adulte c'est aussi sucré parce que tu fais tes propres choix. Pas personne vient te faire chier, tu payes tes propres trucs, enfin tu vois. Comment avancent les travaux de la maison? Ben justement, c'est l'un des plus grands changements ici, là, dans ma vie en ce moment. Ça s'arrête pas, c'est très lourd. On a quand même vécu dans ça pendant plus d'un an. Et c'est ça le piège, en fait, dans le fait d'être propriétaire. Si t'as pas les épaules, faut laisser. Honnêtement, moi, je dirais chaque fois aux gens de réfléchir avant de faire une telle décision. Mais je vous jure, les dessous. Parce que moi, je comprenais pas au départ. Ouais, les gens, ils prennent je sais pas combien de temps à faire leur maison et tout ça. Ben, c'est normal, en fait. Il y a trop. Tu dois trouver les gens, tu dois trouver les bonnes personnes. Parce que t'as envie que ta fenêtre elle tienne, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la vie chez tes parents te manque, sœur? On va se regarder. Pendant toute la vidéo, je vais laisser ça comme ça, on va se regarder. Mais voilà, après, chaque chose fait son temps, tu vois. Tu peux pas rester indéfiniment chez tes parents non plus, tu vois. Je jure ainsi que j'aille chercher les tomates en bas. Chercher les teen tomatoes. Je vous jure que je vais aller chercher les teen tomatoes jusqu'à la fin de ma vie. Ça va pas ou quoi? Bien sûr que oui. Honnêtement, c'est pas dur d'aller chercher les tomates en bas. Alors, si on revenait 6 ans en arrière, arriverais-tu à imaginer que tu seras à ce stade dans ta vie? Jamais de la vie. Sœur, laisse-moi te dire. La vie a ce truc de devoir te surprendre comme ça. On n'est jamais surpris en mal. Ça veut dire que s'il y a un truc où tu planifies absolument pas pour toi, dans ta vie, etc., au départ, tu vas le voir comme un truc tellement négatif. Hein, et tu seras là à base de « j'avais pas prévu ça ».
tu as l'impression même que toute ta vie, c'est strata. Everything is strata. Mais après, avec le temps, avec le recul et avec l'acceptation, tu es là à base de en fait, je suis exactement là où je devais être, en train de faire exactement ce que je suis censée faire pour pouvoir avancer dans la vie, en fait. Et ça t'apprend de nouvelles choses et ça te... C'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable la vie, comment elle est faite. Je sais pas c'est qui est à côté de Dieu là qui lui donne un peu des idées, mais c'est incroyable comment est-ce que la vie peut chambouler tes plans comme ça, tu vois. Donc, sœur, même si t'as rien demandé, on va te ramener des épreuves. Je vous promets que cette chose-là, elle va se transformer et ça va te ramener de l'autre côté de la pièce. Est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je dois dire Gloria, ta grande bouche? Attends seulement. Non, allez. Oui, ma vie n'est pas finie. Oui, je vais sur mes 28 ans. Oui, je retourne en cours, les gars. C'est incroyable. Ouais. Il y a tellement plus à la vie que ce qu'on voit, en fait. Si je peux m'en permettre, tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce sont vraiment les années où on se construit, les années où on peut faire toutes sortes de choses. Donc je me suis dit, c'est quoi, Gloria? Non. En vérité, s'il faut retourner en cours, tu retournes en cours. Bah tant pis. Après, c'est pas vraiment un long cursus. C'est plus, on va dire, c'est plus une longue formation. On va dire ça comme ça. Laissez-moi juste avoir cette chose-là avant de venir vous en parler, tu vois. Parce que des fois, quand tu parles de choses, là... On ne sait pas ce qui se passe dans le processus, les sorciers sont actifs, tu vois. Mais je suis très très heureuse de te voir retourner, les gars, c'est incroyable. Ouais, qui l'aurait cru? Parce que j'avais besoin d'autre chose. Je ne pouvais pas me dire qu'en fait, ce sera ça ma vie. Genre Gloria, genre c'est ça ta vie en gros, t'es youtubeuse, t'es blogueuse. Après oui, t'as une marque à côté. Mais j'avais besoin d'aller plus loin. On n'a qu'une vie. J'ai pas de grosses... Si j'ai de grosses responsabilités, mais j'ai pas d'énormes, on va dire ça comme ça, responsabilités. Donc c'est vraiment les meilleures années en fait. Les gars, on est encore jeunes, tu vois. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de mourir un jour et de me dire ok, j'ai rien fait dans cette vie là et c'est fini en fait, tu vois, t'as eu ton temps. Non, je vais exploiter mon temps. Bouger, faire ci, faire ça, terminer je ne sais où, tu vois. C'est ça en fait, le type de vie que je veux, tu vois. Bien sûr, je veux une sorte de stabilité aussi qu'il y a avec, hein. J'ai pas d'obstacles tant que j'ai pas d'enfant, parce que voilà, c'est pas que quand on a un enfant on peut rien faire, absolument pas, mais t'as moins de temps pour toi, tu vois, et t'as moins de temps de prendre des décisions aussi spontanées. Après ça, c'est pas spontané, pour moi c'est littéralement une continuité. On va s'arrêter là parce que sinon ça fait trop la gauche, genre oh, j'ai envie de dire mais je dis pas, et donc pourquoi tu le dis alors, tu vois. Et j'ai pas envie de ça, j'ai juste envie de vous faire part du truc pour que vous compreniez que ok, je suis dans autre chose. C'est pour ça que je suis moins présente sur les réseaux. Genre littéralement, j'ai décidé de plonger dans le vide. Je sais pas ce que ça va me ramener par après. Donc, comme dans chaque chose dans ma vie, hein, j'ai littéralement décidé de plonger. Et en général, j'ai pas forcément été déçue en fait d'avoir plongé. Ok, on a libéré la perruque. Donc là, j'essaie d'avoir une pépée où je vais pas devoir trop coller, etc. Vas-y, c'est bon. Gloria, la go qui prenait tout son temps à faire son make-up. Hey, c'est fini, ça, c'était à l'époque, les gars. Ça fait tellement longtemps que je me suis plus make-upée. Et si je me make-up, c'est des trucs genre, regarde, j'ai mis du mascara, mon frère. Je mets même pas de faux cils. Mais après, je mets toujours un peu smile aussi, hein. Ils vont pas me minimiser. Un jour en Afrique. Moi, j'aimerais vivre nulle part. J'aimerais juste tout simplement faire des allers-retours. Ouais, ça, je veux bien. Tu vois. Je vous jure hein, que j'ai l'impression que plus on grandit, bon après c'est pour ma part aussi, plus le discours devient flou. Parce que tu sais pas, tu peux être à une phase de ta vie, voilà, où tu estimes que c'est cool d'être là-bas, puis après t'as une autre phase qui débarque et tu te dis ok. Non, il vaut mieux que j'aille là-bas ou que je reste ici. Donc du coup, voilà, on les a plus aujourd'hui, tu vois. Donc tout ça pour dire en gros que c'est vraiment ça qui fait de vous un adulte. Vraiment de pouvoir gérer les choses imprévues et de s'adapter
à tout ce qui nous tombe dessus. Et de toute façon, tu vas quand même t'adapter parce que t'as pas le choix, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut se concentrer sur ce qu'on a devant soi. Que à côté, c'est pas plus vert, je vous jure que c'est vrai. Vous avez l'impression que, oh, la fille tous les jours, elle mange et pita and kebab. Ok les gars, donc voici la coiffure de chez Junoda et j'aime vraiment beaucoup. C'est chic. Je pense que je vais un peu rester comme ça pendant quelques jours. Je mettrai tous les liens pour vous en barre d'infos. J'ai un petit coupon que je mettrai juste ici que vous pouvez utiliser sur le site. Voilà, et tous les liens seront en barre d'infos. C'est un petit carré assez sympa, 14 pouces, lace 4x4. C'est juste de là à là en fait, tu vois. Et là, pas de colle nécessaire. Il faut pas convoiter tout le temps les edges, you understand? Because les edges, ils vont être fatigués et après les edges, ils vont décider de partir. You understand? Et après, ça va faire quoi? Oh, alopecie, oh, calvitie. Avant l'âge. J'ai laissé beaucoup de choses derrière moi parce que maintenant, c'est juste soft life. Être un adulte, mais pas un adulte stressé. Ils sont tellement légers. Vous voyez quand les cheveux sont légers, c'est là que vous savez que non, il y a la qualité. Tu vois, quand c'est un peu lourd, lourd, on sait que... Alors que ça, c'est vraiment très léger. Allez, alors, c'est tout pour la pépé. Maintenant, on continue, on va se poser. Ok, moi, je suis assise au calme. Voilà, soft life, t'as vu, je suis posée, etc. Posez-vous, je vous attends. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant la maison. Tu vois, quand tu parles un peu, il ne faut pas trop parler. Et en l'instant, tu parles un peu, mais tu parles pas trop. Parce que la dernière fois que j'ai spoilé, il y a vraiment les sorciers qui m'ont agrippé mes poumons comme ça. Comment va la déco, l'ameublement de la maison? Les gars, quand j'aurai tout terminé, c'est hors de question pour moi de devoir faire un home tour de la moitié de la maison, du quart de la maison, parce que les autres... Non, moi j'ai envie de vous donner le full home tour. C'est vrai qu'avant je vous avais dit ok, on est en train de voir et machin, là maintenant c'est du concret. Tu vois, ça, c'est-à-dire que ça avance, 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 tu vois. On achète de moins en moins de choses, ça sert strictement à rien parce que on achète un truc et le lendemain on veut autre chose. Comptes-tu déménager et courage? Sœur, je viens d'arriver, je viens de débarquer, ça fait un an et quelques mois. J'aime beaucoup l'endroit. Un coup c'était difficile, un coup ça allait, un coup c'était difficile. Mais quand j'y réfléchis et quand j'y pense, je me dis que j'ai vraiment pris la bonne décision. C'est vraiment... une maison coup de cœur pour moi. Le seul truc, c'est que c'est un peu loin de ma famille, etc. J'aimerais pouvoir genre sonner chez ma mère à des 20h à base de je viens manger avec vous, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'aurais aimé faire. Mais c'est pas grave. Et la vie m'a ramenée ici, donc je suis ici et j'apprécie beaucoup. La seconde chose aussi, c'est qu'on investit énormément. Et quand je dis investi énormément, c'est que même au niveau des matériaux, on va pas prendre des matériaux chap chap rapide rapide. Elle va prendre quand même... beaucoup de valeur, donc du coup on va pouvoir la louer, etc. Mais même louer, déjà j'ai mal au cœur parce que je sais que qu'on peut pas, on va pas passer ça à n'importe qui, tu vois. Vois-tu une rencontre avec les papayas de France? Oh, je pense que tous les bails de meet-up là, je pense que ça c'était avant. Après, je peux organiser un petit truc genre avec que quelques personnes, on va aller manger, boire et discuter, juste ça. Ça me ferait tellement de bien, tu vois. Et pas ces personnes qui ont juste peur de venir parce qu'elles vont se dire, oh, elle va penser que je suis une groupie ou elle va penser, tu vois, aujourd'hui, la manière de réfléchir, c'est tellement autre chose, tu vois. C'est pour ça que je dis meet-up. Mais il y a toujours ces personnes-là qui n'ont pas ce complexe d'infériorité, ok. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens se créent avec les youtubeurs. Genre qu'il n'y a même pas lieu d'être, tu vois. Je fais des vidéos, tu me regardes, on discute ensemble, enfin voilà quoi, tu vois. Et j'aimerais vraiment bien faire un meet-up avec juste des personnes qui m'apprécient réellement. Genre réellement. Et à la fin de la journée, on sent que non, c'était trop bien. Et je veux pas de trucs où je vais devoir... genre toujours être, on va dire, dans l'humour. Honnêtement, je suis vraiment posée comme personne. Et je veux rencontrer des gens qui sont posés. On va rigoler d'office, hein, on va rigoler parce que moi je suis un pitre, littéralement, mais je suis pas un clown. Dans le sens où je suis pas là pour amuser la galerie ni quoi que ce soit, tu vois. Donc voilà, à Paris, oui, j'aimerais bien faire ça. Et en plus, je dois aller voir Véronica, celle-là, bah, elle va me tuer si je viens pas la voir, tu vois. Alors, comment tu vas mentalement? Tu te sens chargée, dépassée ou one life? One life, sœur. Je suis déjà passée par chargée et dépassée. Là, je suis dans le one life. Comme je l'ai dit, ça veut juste dire que je prends la vie comme elle vient. Je règle ce qu'il y a à régler, ce qu'il y a à traiter, il faut traiter. Ce qui vous tombe dessus, ben, tu vois, tu montres vraiment que... Hein, et c'est tout. Alors, après, chaque fois, la même chose. Hein. Maison, 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 maison. Vous voulez vraiment... Il y aura du contenu maison, promis.
Je sais que je vous promets ça depuis longtemps, mais quand je vais le faire, je vais réellement le faire et bien le faire, ok? Ouais, encore travaux. Et... Alors voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un petit life update, comme ça vous savez que je suis toujours là. Je suis pas partie, mais c'est vrai que c'est plus difficile pour moi de gérer le temps, etc. Mais c'est la vie que j'ai choisie. À la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo parce que je sais qu'aujourd'hui les vidéos longues comme ça et puis les get ready with me et tout ça c'est pas ce qu'on apprécie le plus, mais en tout cas merci beaucoup d'être présent, juste ça, d'être présent et de continuer à me soutenir même sur Instagram, même si vous voyez que je poste de moins en moins, vous êtes toujours là, franchement vos cœurs là, que Dieu bénisse ces cœurs là. Bisous les gars et à la prochaine. Mouah.